Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce programme de formation en ligne. Alors, on a voulu vous offrir ce module de formation en ligne, donc complètement gratuit, pour que vous puissiez expérimenter la créativité dans votre quotidien. Et donc, on fait des ateliers sur Paris et il y a beaucoup de personnes de province qui voulaient aussi expérimenter la créativité. Et comme nous ne nous déplaçons pas encore, nous avons pensé à ce programme créatif qui pourra servir tout le monde et on s'est dit pourquoi pas vous donner en avant-première un aperçu de modules que plus tard on va développer. Alors on va parler un peu de Creative People donc, qui est né il y a 2 ans. Et pourquoi le colibri? Parce que Pierre Rabhi est quelqu'un qui nous inspire beaucoup. On est très inspiré par la nature humaine et la nature aussi au sens propre, c'est-à-dire la nature avec les arbres et tout ce qui la constitue. Donc le colibri, il apporte, je ne sais pas si vous connaissez la légende, mais il apporte toujours une petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et nous, à travers Creative People, on a vraiment souhaité créer une communauté d'entraide et de partage qui va vous ouvrir des portes vers la créativité. Donc on a fait des études d'archéologie et d'histoire de l'art, une licence à la Sorbonne, et on a eu cette idée d'allier le développement personnel à la créativité. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on souhaitait le partager, donc un module à travers lequel vous pourrez donc expérimenter la créativité totalement gratuit pour vous. Et votre avis d'ailleurs compte et est très important pour nous. C'est pourquoi on a voulu développer ce module en ligne qui est un lancement et une avant-première de ce qu'on va faire et des vidéos qu'on va tourner et de la plateforme qu'on va monter prochainement. Je pense que ça se fera donc sous forme d'abonnement. Vous aurez accès à la plateforme et à toutes les vidéos tout le temps. Et par mois, vous aurez un abonnement en fait à payer. Et du coup, vous aurez accès aussi à un groupe Facebook où on pourra échanger avec vous. On fera bien sûr aussi des lives, on pourra répondre à vos questions. Et on se veut surtout très disponible et très accessible pour être vraiment au plus près de vous et vous accompagner dans ce module de transformation de votre vie par la créativité. Et donc cette communauté en ligne nous tenait vraiment à cœur parce que nous, on a beaucoup de passion, on est des personnes qui sommes multipassionnées et on s'est dit que dans le monde entier, eh bien, on pourrait regarder ces vidéos-là et finalement, ça élargit le champ de notre action et ça peut aider évidemment plein de personnes, notamment ça peut aussi aider des personnes qui ne peuvent pas se rendre forcément disponibles même à nos ateliers, qui travaillent beaucoup parce que c'est aussi ça l'avantage de la plateforme en ligne, c'est que vous pourrez avoir accès à toutes nos vidéos, n'importe où dans le monde et n'importe quand. C'est ça qui est aussi très important. Bienvenue à vous tous pour transformer votre vie. Et donc le thème de ce module en ligne sera de constituer une routine créative chaque jour dans votre vie. Alors pourquoi ce premier module sur une routine créative? Parce que nous-mêmes, on voit bien l'impact qu'a cette routine créative dans notre vie. Alors on voulait partager vraiment ce thème avec vous parce que je pense que chacun, eh bien, on a des routines déjà qui nous sont propres et qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. Donc Marina, je te laisse nous en parler un petit peu plus. Oui, alors nous, on a beaucoup de routines qui nous aident beaucoup au quotidien. Le matin, notamment, au niveau de la santé, déjà, on fait du yoga, ce qui équilibre pas mal le corps et le prana, donc c'est l'énergie qui circule dans notre corps. Et il y a beaucoup de choses aussi qui font du bien, donc il faudrait que vous les identifiez. Moi, par exemple, j'aime beaucoup allumer des bougies, écouter de la musique. Et finalement, tout ce qui nous fait du bien, c'est au quotidien. C'est important de prendre un rendez-vous avec nous-mêmes chaque jour et de nous dire tiens j'ai ce moment-là pour faire de la créativité, c'est un moment que je prends rien que pour moi et ce n'est pas de l'égoïsme justement, c'est de l'amour pour soi et pour les autres que de prendre du temps pour soi. Ça ne peut que vous aider à rayonner sur votre entourage et à vous nourrir vous-même chaque jour. C'est très important d'avoir une pratique chaque jour qui vous nourrisse l'esprit et l'âme et qui nourrisse votre corps. Et d'ailleurs dans le programme, on parlera de changer ses habitudes, on parlera aussi de la santé, donc de l'alimentation, et puis on terminera aussi par la créativité, bien sûr, au quotidien. Donc, qu'est-ce que va contenir eh bien, ce module que nous vous offrons? Alors, cela va contenir des vidéos, évidemment, pour vous montrer à la fois les exercices en pratique,
évidemment, parce que c'est beaucoup plus explicite, je trouve, en vidéo. Et puis, des vidéos aussi techniques qui vont éventuellement vous parler eh bien, des changements que vous allez effectuer par rapport à vos habitudes, etc. Ensuite, vous aurez un groupe qui va être créé, rien que pour vous, pour développer donc cette belle communauté et toutes les personnes aussi qui participent eh bien à cette communauté en ligne où vous pourrez échanger, dans lequel nous pourrons évidemment échanger aussi. Nous répondrons aussi à vos questions, bien sûr, par un live sur Facebook. Et de plus, on aura donc dans ce programme, le premier point, c'était changer ses habitudes. Donc, on vous expliquera comment vous pouvez éventuellement changer vos habitudes. Le deuxième point, c'est votre santé. On parlera des techniques qui nous ont permis à nous d'aller vers le mieux-être. Et puis aussi l'alimentation, bien sûr, qui joue un rôle primordial dans notre équilibre au quotidien. Et bien évidemment, de comment instaurer au quotidien une routine créative et de tout ce que la créativité a à apporter à votre vie. Nous avons créé avec Marina un cahier, un peu comme des devoirs, hein, un cahier de homework, pour pouvoir aller plus loin et approfondir éventuellement vos habitudes, hein, Marina. Oui, pour pouvoir aller un peu plus loin et vous verrez, donc vous pouvez répondre à des questions et puis faire des exercices aussi pratiques. Donc c'était un petit bonus que j'avais envie de vous offrir. Donc voilà, si ce programme vous intéresse et que vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On vous donnera l'adresse en dessous. Et puis ça nous fera plaisir aussi d'avoir votre avis. Nous vous souhaitons une excellente journée ou fin de journée. Et nous sommes ravis donc de lancer et de nous lancer en même temps dans ce module et ce programme vidéo.